liens imaginaires et références géographiques du monde, les pôles concentrent sous forme de glace, au nord et au sud de la planète, l'essentiel des réserves d'eau douce de la Terre. L'Empire du Froid ne se contente pas de piéger des millions de kilomètres cubes d'eau, il s'avère être l'un des régulateurs du climat global, mais aussi le livre d'histoire de l'atmosphère terrestre. Longtemps inexploré, cet extraordinaire désert gelé, apparemment immobile, daigne aujourd'hui livrer au compte-gouttes quelques-uns de ses profonds secrets. Nicolas Hulot et l'équipe d'Ushuaïa Nature sont allés au Groenland observer la glace dans tous ses états. De la naissance des majestueux icebergs, aux profondeurs de l'île Nansis, immense chape de cristal bleuté couvrant la majeure partie de l'île, ils remonteront le cours du temps en plongeant au cœur de la calotte glaciaire et goûteront l'air et l'eau qu'elle retient prisonniers depuis 400 000 ans. On est à l'embouchure d'un des nombreux fjords qui lacèrent toute la côte ouest du Groenland et par où s'échappe le trop-plein de glace de l'île Nansis, qui est la calotte glaciaire groenlandaise, le trop-plein de glace sous forme d'iceberg qui vont ici démarrer un long vagabondage océanique. Bonsoir, on est au-delà du cercle arctique et du cercle polaire, en direction du Grand Nord, je pourrais même dire en direction du pôle Nord géographique, dans l'un des territoires de ceux que Paul-Émile Victor appelait à juste titre la civilisation du phoque, les Inuits, littéralement les hommes vrais. Il aurait pu aussi les appeler la civilisation du chien, tant leur vie a été longtemps inféodée et encore aujourd'hui à la présence des chiens qui leur servent à se déplacer l'hiver sur la banquise. Ces fameux Inuits qui ont su depuis maintenant 4500 ans s'accommoder tant bien que mal d'une des natures les plus difficiles, les plus hostiles qu'il soit de trouver sur la planète. Le Groenland, qui est grand comme 5 fois la France, mais qui est seulement peuplé de 55 000 habitants, et encore sont-ils répartis sur une bande étroite de littoral que le recul des glaces, il y a 10 000 ans, a bien voulu leur concéder. Mais le Groenland, au-delà d'être un grand réservoir de froid et de glace qui participe pleinement aux grands équilibres naturels, c'est aussi, comme pour tout le reste de l'Arctique, un milieu de vie assez exceptionnel. Au nombre des animaux les plus illustres à terre et de temps en temps sur l'eau et sur la glace, l'ours polaire que nous irons rencontrer dans cette émission. Et je dirais en mer, au-delà des phoques et des morses, il y a aussi les fameux belugas, les baleines blanches, là aussi, que nous irons voir, mais de l'autre côté du détroit de Davis, en terre canadienne. Voilà, à bord du Savik, piloté par Michael, nous irons avec toute l'expédition d'Ushuaïa Nature essayer de découvrir, d'expliquer quelques-uns des mécanismes de la glace et surtout de lever le voile sur ce que l'on appelle le rêve arctique, qui fait que quels que soient les visiteurs qui sont venus dans ces régions boréales et surtout quelles que soient les épreuves que l'Arctique leur a infligées, lorsque l'on en repart, on ne rêve que d'une chose, c'est d'y revenir. Symbole de rêve, le Grand Nord n'a cessé d'attiser la curiosité et d'envoûter les hommes. Mais l'Arctique, littéralement la terre des ours, risque bien un jour de voir disparaître l'animal qui lui a donné son nom. Dans la baie d'Hudson, au Canada, une équipe d'Ushuaïa Nature a suivi un spécialiste qui étudie le comportement des plantigrades. Rémi Marion, photographe animalier, vient depuis une décennie observer les ours blancs qui transitent ici à la fin de l'automne. Ils ont passé l'été sur leur réserve de graisse et attendent de pouvoir repartir vers leur territoire de chasse naturelle, la banquise. L'ours polaire est un prédateur solitaire. La rencontre avec un congénère obéit à un strict cérémonial. Hors de la période de reproduction,
le jeu peut être brutal mais cordial. Pourtant, cette fois, l'un des fauves refuse la joute amicale. Pour Rémi Marion, ce comportement est étrange et inhabituel, comme cette pluie qui ne cesse de tomber. Le photographe est dans le refuge depuis déjà 15 jours. Les plantigrades observés semblent à bout de souffle et la température extérieure est anormalement élevée. Il fait 12 degrés au-dessus de zéro, du jamais vu à cette période de l'année. Rémi Marion a contacté le professeur James Halfpenny, un expert canadien en écologie à long terme. Depuis des années, ce scientifique américain marque des ours polaires pour suivre leur migration. Une mère et son petit ont été endormis afin d'établir un diagnostic. Ce colosse, dont la taille peut dépasser 3 mètres pour un poids de 600 kg à la fin de l'hiver, se nourrit essentiellement de phoques. Dernier maillon de la chaîne alimentaire, le plus grand carnassier terrestre ingurgite les polluants concentrés dans ses proies. Il devient ainsi l'indicateur de la santé de la planète. Même affaibli par un long jeûne estival, le seul mammifère qui n'a pas peur de l'homme reste extrêmement dangereux. Que pensez-vous de cet ours ? Une belle femelle. Elle pèse entre 225 et 250 kilos. Elle est avec son petit. Il a 10 mois, c'est ça ? Oui, le couple de l'année. Que pensez-vous de ce type de climat pour les ours ? Et cela m'inquiète, Rémi. Nous sommes le 1er novembre et la neige apparaît seulement maintenant. Chaque année, elle arrive de plus en plus tard. Ce phénomène semble confirmer le réchauffement global de la Terre. Partout dans le monde, les glaciers continentaux fondent à vue d'œil et de toute évidence, la banquise recule et tarde à se reformer. Pour les ours polaires, le voyant est au rouge. Ils ont perdu tous leurs repères. Totalement inadaptés à un univers sans glace, dans l'impossibilité de se nourrir, le seigneur du pôle est en train de voir disparaître son unique territoire. Rémi, nous devrions partir maintenant. L'anesthésiant va perdre ses effets dans quelques minutes. Le réveil sera dur pour ces animaux qui, depuis 300 000 ans, ont su habilement faire coïncider leur rythme vital au cycle de la glace. Manifestement, quelque chose ne va plus dans leur royaume. La Terre du Grand Nord semble désemparée sous une tiédeur qui ne correspond pas à la physiologie de l'ours. Il a bâti son empire par-delà les frontières, tout en haut de la Terre. Lui qui se complaît lorsqu'il fait 30 degrés sous zéro, est là, au bord de l'eau, errant sur la toundra comme une âme en peine. Peut-être cet étrange baromètre a-t-il parlé aux hommes qui l'ont placé là face à l'immense baie. James Spence, un vieil Indien Cree de la région, le consulte depuis toujours. De tout temps, notre baromètre nous a indiqué le temps à venir. Il ne m'a jamais trompé. D'ailleurs, il y a 4 ans, lorsque j'étais à Winnipeg, j'ai entendu quelqu'un dire que le climat allait changer dans les 10 années à venir, que nous allions vers un réchauffement. Je pense qu'on aura moins d'ours le printemps prochain. Vous savez ce qu'ils font, les ours solitaires, lorsqu'ils ont faim ? Ils tuent les petits des autres. À cette période de l'année, la Terre du Grand Nord devrait être couverte de glace et de neige. Mais pour l'Indien Cree, elle est comme un vieil ours à la fourrure infestée de parasites. Dans un sursaut, la bête va se lever, se secouer pour se débarrasser de la vermine, puis se rendormir paisiblement, le museau entre les pattes. Enfin, la mer charrie les premiers blocs de glace poussés par le vent du nord. Quelques ours affamés se précipitent sur la banquise encore trop fragile, consumant le peu d'énergie qu'il leur reste.
La situation est désespérée pour les femelles et leurs petits. L'un de ces oursons est très affaibli. Alors cette mère fait les 100 pas sur la grève, espérant ainsi protéger sa progéniture des crocs du mâle qui les suit. Le face-à-face est inéluctable. La détermination met une fois encore la mort en fuite. Pourtant, la mère sait déjà que l'un de ses oursons ne reverra plus jamais les vastes étendues de neige. Avec un mois de retard sur le calendrier habituel, l'hiver arctique déploie d'un seul coup sa chape de glace. Pour tous les ours prisonniers de la baie d'Hudson, c'est le signal de la remontée vers le nord. La pérennité de ce splendide voyageur sans frontières est loin d'être acquise. Même s'il a su s'adapter dans le passé à bien des bouleversements de son environnement, on l'imagine mal suivre l'exemple des Inuits du petit village d'Ikerasak et, comme eux, devenir sédentaire. Savik, avec à son bord Nicolas et le glaciologue Luc Moreau, approche de la petite bourgade de 200 âmes, blottie au fond du fort Dumanak, sur la côte ouest du Groenland. Il est beau ce petit village, t'as vu ? Ikerasak, ça s'appelle. Il nous attend sur le ponton, avec son kayak. Ils ont rendez-vous avec Jens, un guide inuit, indispensable pour qui souhaite naviguer au milieu des glaces flottantes. Puis après, on mettra les trois kayaks à l'eau et on va se rapprocher du glacier Storr. Depuis son plus jeune âge, Jens est à bonne école dans ce fjord, au fond duquel vient se fracasser l'un des plus gros pourvoyeurs d'icebergs du Groenland. Plus grande île du monde, d'une superficie équivalente à près de 5 fois celle de la France, le Groenland, situé au nord de l'océan Atlantique, est un socle rocheux couvert à 85% par l'Inland 6. Une calotte glaciaire dont la couche en son centre atteint 3000 mètres d'épaisseur. Immense gâteau glacé représentant à lui seul 10% des ressources mondiales d'eau pure, l'Inland 6, dès la fin de l'hiver arctique, n'en finit pas de dégouliner et de confier à l'océan des pans entiers de son passé. Mais attention, l'accouchement du géant n'est pas sans danger pour ceux qui souhaitent contempler le spectacle d'un peu plus près. Le Savik a stoppé ses machines à bonne distance du front du glacier. Jens prend la tête de la petite expédition. Il connaît le fjord comme sa poche. Lui seul est capable d'apprécier le danger potentiel de chaque parcelle de glace dérivante. Ce sont des paradis pour les glaciologues ici. Maintenant, on a une bonne connaissance des mouvements des glaciers.
Il y a encore beaucoup de mystères, mais par contre, ce qu'on sait bien, c'est en fait comment se forment ces glaciers, et on sait mesurer donc le mouvement de surface. Ce glacier ici, donc ce glacier Storr, prend naissance au cœur d'Inlandsis et arrive dans cette vallée qui est en quelque sorte un entonnoir. C'est pour ça qu'on a donc ici des mouvements très très rapides qui peuvent être de l'ordre de plusieurs kilomètres par an. On voit le front du glacier avec en suspens au-dessus la couche de l'Inlandsis, cette immense calotte glaciaire. Voilà la plus grande machine à glaçons du monde, qui fonctionne un peu comme un immense organisme qui se nourrirait de neige, qu'il va transformer par la pression en glace, et sous son propre poids, le glacier s'expand, se répand et se déverse par des langues glaciaires dans l'océan. Et à ce moment-là, évidemment, la glace se brise pour former ces incroyables icebergs. Ils seront d'abord soumis aux caprices du vent qui ira les drosser alternativement d'un côté et de l'autre du fjord. Et puis petit à petit, en se brisant et en se contorsionnant contre le fond, ils iront pour la plupart d'entre eux rejoindre le large pour une grande navigation. Impressionnant, hein ? Ça fait des bruits d'explosion. Hein. C'est quoi? C'est la glace qui... C'est la glace qui se décompresse. C'est très impressionnant. Et en plus, ça n'est pas qu'impressionnant parce que c'est dangereux. Un iceberg comme ça peut se retourner sur lui-même. Au fur et à mesure qu'il va fondre, ça arrive. Quoi. Il y a des retournements d'iceberg comme on peut voir quand ils ont les dos complètement arrondis. On entend encore un iceberg qui... se retourne juste derrière nous. Il faut bien préciser qu'il y a deux types de glace principalement, et notamment dans ces fjords. Il y a cette glace-là qui forme ces gigantesques icebergs. C'est de la glace d'eau douce, donc c'est la fameuse neige pressurisée sur le glacier. Et puis il y a une glace qui est plus plane, et ça c'est de la glace d'eau de mer. C'est ce qu'on appelle la banquise. C'est l'eau de mer qui gèle l'hiver à moins 1,8 exactement. On va essayer de s'approcher du front du glacier à l'endroit où la langue glaciaire vèle ses gros morceaux de glace. C'est pas un iceberg ça là-bas, qui se retourne, hein, non. Voilà, on entend des explosions. Je crois que notre ami Inuit se méfie. Ah, c'est peut-être dans un de ces fjords que s'est formé ce fameux iceberg qui a malheureusement coulé le Titanic. Et qui a parcouru près de 3000 km après avoir été sans doute vêlé par un glacier identique. Oups, pas vu celui-là. Et depuis maintenant, notamment plus récemment avec l'aide des satellites et des patrouilles arctiques qui surveillent l'itinéraire des icebergs pour tenter d'en informer tant les marines marchandes que les marines nationales. En hiver, quand ces icebergs sont enchâssés dans la banquise, dans la glace de mer, les Inuits les recherchent pour s'alimenter en eau. Oui, parce qu'il faut se rendre compte que 98% de l'eau douce à la surface de la Terre est stockée dans les deux grandes calottes glaciaires que sont l'Antarctique et le Groenland. Si la glace fondait d'un seul coup, le niveau des océans s'élèverait presque une dizaine de mètres. C'est vous dire quand même le volume que ça représente. Je crois qu'avec l'ensemble de l'eau du Groenland et de l'Antarctique, on pourrait nourrir les 6 milliards d'individus de la planète pendant 150 000 ans avec 150 litres par jour. Ça laisse de la marge. C'est assez provocant aujourd'hui pour les pays qui manquent d'eau.
Le tout, c'est de pouvoir acheminer... Techniquement et économiquement, pour l'instant, ça coûterait très très cher. On va faire demi-tour parce que là, on va passer par la gauche. Là. Ok, magique. Oui, okay. Là, parce que là, en plus, cet iceberg, là, il commence à se... Ok. Il bouge. On voit bien ce que l'on appelle le pacter, c'est la banquise qui est complètement disloquée, elle est quasiment navigable. Et à fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'hiver, qui arrive très brutalement ici, puisqu'il n'y a pas d'intersaison, on va voir une espèce de soupe se former, puis l'eau commencer à se figer. Comment ça se passe quand la mer gèle? Elle garde la même salinité? Quand l'eau se solidifie, elle rejette le sel, et donc... Le sel va accroître la densité des eaux profondes et ces eaux vont être plus lourdes que les eaux de surface. Elles vont plonger et contribuer au courant marin. Et c'est l'amorçage d'un fantastique circuit de chauffage central planétaire. Les saumures froides ainsi formées poussent une formidable masse d'eau qui va faire le tour du globe avant de se réchauffer et de remonter à la surface à son point de départ. La boucle sera bouclée. Mais il faudra 5 siècles à ce tapis roulant pour accomplir son cycle et remplir pleinement chaque année son rôle de thermostat de la planète. Vous entendez, on dirait les grands coups de tonnerre. Il y a 2 mois, notre ami Inuit, au lieu de se déplacer dans ce fjord avec un kayak, utilisait ses... Les attelages de chiens de traîneau, ils glissaient sur la banquise ici. Ayongilak. Au Groenland, à quelques exceptions près, on n'a pas troqué les attelages de traîneau à chiens contre les skidoux. On continue à utiliser ces méthodes de chasse et de déplacement traditionnelles. C'est une d'ailleurs des particularités du Groenland par rapport à l'Arctique canadien. Pendant tout l'été arctique, le front du glacier Storr fait son spectacle. Pourtant, quelques semaines plus tôt, le monstre était figé par le froid de l'hiver, attendant, comme les habitants du village d'Ikerasak, le printemps pour revivre. Les rayons du soleil n'ont pas encore eu raison de la neige, mais le redout imminent stimule les énergies. Depuis des années, les vents du XXe siècle ont soufflé la modernité sur la banquise. Mais les Inuits, peuple de chasseurs-pêcheurs, ne veulent surtout pas oublier leurs origines. Au mois d'avril, avant la grande débâcle des glaces, Jens Sigurdsen et son frère Jørgen partent pour quelques jours sur la banquise à la recherche du narval, baleine mythique des régions polaires. Depuis que je suis petit, je vis de la chasse et de la pêche. J'ai commencé à chasser à l'âge de 11 ans. À cette époque, mon père se déplaçait beaucoup en traîneau à chien. Et j'avais pris l'habitude, avec mon frère Jürgen, de l'accompagner au printemps à la chasse aux phoques et à la baleine. Il se peut que l'on rencontre un ours polaire quand on s'approchera de l'eau libre de glace.
Pour aller à la rencontre de l'hypothétique licorne de mer, il leur faut rallier les eaux libres à la sortie du fjord, à 200 km du village. Le chasseur inuit se déplace toujours avec très peu de matériel. Il mise sur sa grande mobilité pour gagner un abri sûr avant l'arrivée d'une possible tempête. La stratégie consiste à se plier au changement des conditions physiques du milieu plutôt que de les affronter et ne jamais prendre de risques inutiles. Toute décision, qu'il s'agisse de la poursuite du gibier ou de faire une pause, peut à tout instant être remise en cause. À cette faculté de décrocher très rapidement, on reconnaît le chasseur expérimenté. Quand tu pars chasser sur la banquise, il est important de bien ajuster les patins. Ensuite, il faut bien fixer le fusil, qu'il soit solidaire des patins. Et il est important de bien tendre la toile blanche devant. Le tout doit ressembler à un morceau de glace derrière lequel tu te caches et tu marches. Le temps est révolu où le chasseur attendait des heures, debout et immobile, le phoque venu respirer dans un trou creusé dans la glace. Le fusil à lunettes a remplacé le harpon traditionnel, mais il demande quelques réglages préalables. Les Inuits ont un sens aigu de l'orientation. Ils se repèrent sans hésitation dans un univers qui n'est pourtant jamais le même d'une année sur l'autre. L'eau libre n'est pas loin. On devrait la voir ce soir quand on aura atteint les icebergs. Tout bon chasseur qu'il soit, Jørgen a commis une erreur de débutant. Lorsqu'il a stoppé son attelage, les chiens ont été mal arrimés et sont en train de s'échapper. Il faut absolument les rattraper avant qu'ils ne soient hors d'atteinte. Dans cet environnement hostile, celui qui laisse s'enfuir ses chiens est un homme mort. Le phoque est toujours là. Je vais essayer de l'approcher, mais la glace est dure et on fait beaucoup de bruit quand on marche dessus. Jens a repéré un phoque qui se chauffe au soleil. Installé toujours dos au vent, l'animal est capable de déceler une odeur suspecte à plus de 200 mètres. Et malgré sa forte myopie, il peut discerner le déplacement d'un objet non identifié dans son environnement. Le camouflage est indispensable pour arriver à distance de tir. Après quelques centaines de mètres d'approche, Jens s'est arrêté, épiant chaque mouvement du phoque. Profitant des moments de somnolence de l'animal, il rampe jusqu'à n'être plus qu'à 50 mètres, avant de se mettre en position pour tirer. Alerté, le phoque s'est laissé glisser dans son trou de respiration. Il ne reviendra plus à cet endroit. J'ai pu récupérer les chiens. Ils sont revenus dans notre direction. Les phoques se font de plus en plus rares sur la banquise de la côte ouest du Groenland. Trop chassés, sans doute. Dans la pensée traditionnelle inuite, les hommes et le gibier sont deux mondes complémentaires. La finalité du gibier est d'être tué et consommé. Rien n'a changé dans les mentalités. Si la survie des familles inuites ne dépend plus de la chasse traditionnelle, l'instinct du chasseur et le plaisir qu'il prend à courir derrière son histoire perdurent. Phénomène météorologique courant sous ces hautes latitudes, le ciel bleu azur a disparu derrière une couverture de nuages gris en quelques minutes.
L'animal, cette fois, n'a pas senti venir le danger. Sur un signe de leur musher, les chiens se précipitent. Ils savent que le coup de feu signifie qu'une part du butin leur sera distribuée. En hiver, un chien du Groenland inactif est nourri en moyenne un jour sur trois, et souvent une seule fois par semaine en été. Lorsqu'il travaille, sa ration quotidienne est d'environ 1,5 kg de nourriture fraîche. Hey ! Alors ? Un campement sommaire est dressé. Les tentes en double peau de phoque cousue ont elles aussi depuis longtemps laissé la place à du matériel manufacturé acheté au supermarché du village. Moins esthétiques, moins efficaces contre le blizzard, elles sont en revanche plus légères. L'animal abattu est rapidement dépecé dans les règles de l'art inuit. Les chasseurs, à leur habitude, goûtent sur place les morceaux qu'ils apprécient le plus, le foie et surtout l'œil. Maman ! Les chiens sont l'objet d'une attention permanente. La glace coupante a entamé les coussinets de deux d'entre eux. De petits chaussons en peau permettent aux animaux blessés de reprendre leur place dans l'attelage. Les traîneaux reprennent leur course dans un paysage grandiose pour tenter d'atteindre les eaux libres à la sortie du fjord et ainsi chasser le narval. Mais le ciel se fait de plus en plus menaçant. La glace torturée rend la progression sur la banquise de plus en plus difficile. C'est pas facile de vivre sur la banquise. Mais j'ai la sensation d'être en vie. Et la chasse est le mode de vie qui me convient. Courir avec mes chiens, c'est vraiment ce que je préfère. C'est pour ça que nous sommes toujours heureux. Et la chasse nous donne des occasions de l'être. Elle, c'est ma chienne de tête, le meilleur de mes chiens. Par mauvais temps, je la laisse mener, elle nous ramène toujours sur le bon chemin. Jens a stoppé le convoi pour faire le point. La banquise craque de plus en plus. Embarqué sur les glaces dérivantes, il risquerait d'être entraîné vers le grand large. Quelques mois plus tard, les icebergs majestueux jetés à la mer par les glaciers seront les seules sentinelles du fjord d'Ilulissat. Pour embrasser depuis le ciel cet incroyable panorama, Nicolas Hulot et l'aérostier Dany Cléier-Marel se sont envolés à bord d'une montgolfière à moteur. Les lumières arctiques, le rêve arctique, la baie de Disco sur la côte ouest du Groenland, plus au sud, le détroit de Davis, plus au nord, la mer de Baffin. Ils sont nombreux, les explorateurs légendaires polaires, à avoir séjourné dans cette baie comme dernière havre sur la route du pôle Nord. Les icebergs, la banquise, les flots et le glacier. Le cycle de la glace exprimé devant nous. Et nous embrassons cette baie
où jamais les explorateurs polaires n'auraient pu soupçonner qu'un jour nous pourrions la contempler de la sorte. Danny Cléier-Marel, aéronaute de métier, qui a plus l'habitude de piloter à la cime des arbres avec son radeau des cimes. Regardez ses formes, ses courbes, ses différentes teintes de glace selon la pression de celle-ci. Et là, on a pris de l'altitude. La visibilité est telle que la ligne de disco qui est à notre gauche, qui paraît tout près, est à plus de 100 km. Et regardez, posée sur l'horizon, face au large, comme une armada fantomatique, ces silhouettes d'iceberg qui attendent d'être prises en charge pour leur itinéraire océanique par les courants. On a trouvé dans la baie de Disco les plus grands icebergs de l'hémisphère nord. 200 mètres de haut, c'est vous dire le volume qu'il y a sous l'eau, puisque l'on considère que la partie émergée représente entre 1/7 et 1/10 du volume immergé, ce qui ne veut pas forcément dire la hauteur. Mais on a trouvé des traces d'icebergs sur le fond de la mer à 450 mètres de profondeur, ces icebergs qui venaient racler le fond des océans. Sous le soleil de minuit, extraordinaire de se dire qu'il est minuit, hein ? Ouais. Et que l'on joue à saut de mouton avec les icebergs. Ces grands icebergs tabulaires offrant un sommet plat sont rares dans l'Arctique. Peu de personnes se sont posées sur leur dos. Danny va tenter l'atterrissage. De là, Nicolas rejoindra le Savik pour plonger sous cette montagne de glace en compagnie du professeur Alain Coutet, biologiste au Muséum national d'histoire naturelle. L'ombre portée du ballon sur la glace. Tu veux que je m'amarre ? Voilà. Ouais, je le tiens. Quelle que soit sa taille, un iceberg est imprévisible.
L'eau salée qui ronge inégalement sa partie immergée modifie en permanence son assise. Il peut alors basculer à chaque instant. Point minuscule au milieu des vaisseaux de glace flottant sur l'encre bleue de l'océan, le Savik a stoppé à distance respectable. Nicolas choisit d'abandonner son immense radeau à sa manière. Situation assez exceptionnelle, ces 100 mètres de glace peuvent à leur caprice tout d'un coup rouler et basculer, ou éventuellement cette paroi peut tomber comme un seul pan, et c'est la raison pour laquelle, en dépit du plaisir du spectacle, on va pas rester là pendant des heures. Ok. C'est bon, je m'en occupe. On se décale. Passe par là-bas peut-être. Passe par là-bas. Ah ouais. Allez, reste pas là. Tournez à bord du Savik. Hello, Nicolas. Was it good? Yes, good for me. Ok. On prendra les crampons, Bertrand. Oui. Bien belle descente, hein. Impressionnant. Pour tout te dire, on n'était pas très tranquille, parce que quand tu vois que tu as des mastodontes que tu crois totalement immobiles, tout d'un coup ils se mettent à rouler sur eux-mêmes. Alors quand tu descends, tu te dis si ça part. Pas grand chose à faire. Hein. C'est un peu comme quand tu plonges sous l'iceberg et que tu es en dessous du surplomb, que tu vois les failles et tu te dis si jamais ça se retourne. Il y en a un qui vient de péter derrière. Ouais. Les icebergs s'échappent de l'Inland 6 lors du court été boréal. A l'inverse, des mammifères marins choisissent cette époque pour se rapprocher des côtes. Aux confins nordiques du Canada, quand brille le soleil de minuit, deux scientifiques, rejoints par une équipe d'Ushuaïa Nature, guettent le retour des belugas venus célébrer le printemps. Chaque mois de juillet depuis 20 ans, le Canadien David Saint-Aubin et l'Américain Tom Smith se retrouvent sur cette plage de Somerset Island, où se rassemblent ces étranges animaux aux allures de fantômes. Les deux chercheurs viennent ici quelques jours avant le retour des grands dauphins blancs. Ils en profitent pour compulser les notes accumulées l'année précédente. Citoyens du Grand Nord, naviguant sous les glaces qu'ils ne percent que pour respirer, les belugas viennent ici pour muer en se frottant sur les cailloux des hauts fonds. Car vivre en eau froide exige un épiderme en parfait état. Les scientifiques ont découvert l'an passé l'importance des liens qui unissent les individus d'une même famille. Jamais, par exemple, le groupe n'abandonne un jeune orphelin. Il y aura toujours une proche parente pour le prendre sous sa nageoire et l'élever comme une mère.
Les belugas, à leur habitude, surgissent de la haute mer sans crier gare. Les adultes habillés couleur vanille, les jeunes couleur gris perle. Ils ont les sens perpétuellement en alerte, renseignés par le formidable radar à ultrasons caché dans la bosse, ornant le sommet de leur crâne. À marée basse, les deux scientifiques construisent à la hâte une tour d'observation. Impossible de le faire avant l'arrivée des belugas. Le lieu de leur rassemblement est trop aléatoire. La qualité des observations exige une promiscuité maximale, mais discrète. Et on ne peut les approcher pour les étudier, ni en canot, ni en plongée. Perchés à 10 mètres de hauteur, les deux hommes ont une vue imprenable. Ils peuvent tout à loisir détailler les faits et gestes du troupeau envahissant la baie. Tom Smith écoute les enregistrements des chants mélodieux de ces mammifères que les marins avaient baptisés les canaries de la mer. Il se remémore les milliers d'heures passées à les étudier pour mieux les comprendre, mais aussi les protéger. David Saint-Aubin travaille depuis des années sur 3 spécimens de l'aquarium de New York, l'un des seuls au monde à avoir su sauver des mammifères accidentés ou en perdition. Leur métabolisme demeure un mystère et l'on ne comprend toujours pas pourquoi les belugas, hors de l'océan, manifestent de graves carences. Le chercheur et ses assistants ont mis 1 an et demi pour faire accepter à ces animaux le long tuyau apportant une oxygénation forcée à leur système respiratoire. Un début. David Saint-Aubin vient en effet de mettre au point avec des confrères une caméra miniature qu'ils vont pouvoir introduire dans le corps de l'animal. Ce système devrait permettre enfin de comprendre comment il respire. Canada, le rite estival de Somerset Island touche à sa fin. Les belugas, vêtus d'une nouvelle peau, peuvent regagner leur quartier d'hiver tout là-haut, près du pôle. Un dernier petit tour pour saluer les scientifiques qui s'intéressent à lui depuis si longtemps, et le gentil fantôme blanc quitte sa villégiature pour des lieux où le guettent bien des dangers.
Nicolas et Alain Coutet ne rencontreront aucun beluga sous ces icebergs. Mais en plongeant, ils échapperont aux nuées de moustiques qui prolifèrent ici pendant l'été. Tout a été stérilisé. Comme la flore et la faune, les insectes piqueurs profitent des longues journées et du temps clément pour croître et se multiplier. On met les masques. Sous les haies des icebergs, plongés dans ces eaux glaciales, à la fois pour le plaisir de regarder et d'observer ces mastodontes sous un angle inhabituel, mais aussi pour Alain Coutet, pour regarder cette microfaune et microflore qui se fixe à proximité de celui-ci. On voit très bien ici les fractures de la glace qui subit des pressions terribles. Et qui sont très très nettes. Alors faut pas trop pousser parce que ça peut se retourner. Et on voit très bien des bulles d'air qui sortent, qui remontent, qui n'ont rien à voir avec celles que je rejette. On va descendre maintenant sur le rocher. Il y a un plancton étonnant. Ça, il y a énormément d'oursins comme ça. Ils sont comestibles. Voilà. On voit très bien ici les estries dues à l'activité des icebergs qui frottent. Et ici, on voit que la roche est complètement usée sur cette roche. Se développe une algue qui est rosâtre. Voilà la couleur que ça donne. On va faire un petit prélèvement pour qu'Alain Coutet puisse après au microscope identifier ces micro-algues quasi invisibles à l'œil nu, mais qui sont le début de la chaîne alimentaire. Tu peux attraper une ou deux des petites bêtes translucides. Et voilà. Nicolas, est-ce que tu m'entends là? Tu m'entends là? Nicolas ne répondra plus. La membrane du micro qui lui permet de communiquer a gelé. Dans cette eau troublée par l'abondance exceptionnelle de plancton en suspension, il reste heureusement le langage des signes connu de tous les plongeurs. Les algues, grandes ou microscopiques, ont ici aussi colonisé des kilomètres carrés d'espace. Comme les forêts terrestres, mais représentant un volume bien plus considérable, elles fournissent l'essentiel de l'oxygène de notre planète. Sensibles à la pollution sous toutes ses formes, leur préservation est indispensable. Elles sont le garant de la qualité de notre atmosphère et donc de la vie sur Terre. Après s'être immergé dans l'océan glacial, Nicolas Hulot et l'équipe d'Ushuaïa Nature iront au cœur des glaces groenlandaises, où l'on peut lire l'histoire de notre monde comme dans les pages d'un livre. ...2700 km du nord au sud, 1000 km d'est en ouest. Le Groenland ressemble depuis l'espace à une gigantesque gemme blanche sertie de montagnes noires. Nicolas Hulot, Luc Moreau, Alain Coutet et l'équipe d'Ushuaïa Nature vont rejoindre le glacionneau Jano Lamberton et s'enfoncer avec lui sous le toit du monde. Depuis plus de 10 ans, ce spéléologue spécialiste des glaces plante chaque été son camp de base sur l'Inland 6 à plus de 100 km des côtes. Ah,
Yano. Tu vas bien? Jamais l'hélicoptère ne s'attarde. Après avoir débarqué passagers et matériel, il repart vers sa base, laissant les membres de l'expédition totalement livrés à eux-mêmes. Malgré les apparences, la gigantesque calotte glaciaire n'est pas inerte. Quand vient l'été, à la manière d'un animal en hibernation, elle craque et pousse lentement ses tentacules glacés vers l'océan. Un réseau éphémère de rivières couleur turquoise, les Bédières, taillade alors son dos, avant de se jeter dans des moulins, gouffres monumentaux sculptés par l'eau dans l'épaisseur de la croûte de glace. Donc c'est ça que vous appelez une Bédière alors? Oui, c'est une petite Bédière qui est un des affluents de la Bédière principale, qui se trouve donc à 300 mètres d'ici. Et depuis que tu viens sur l'île Namsis, tu as inventorié combien de kilomètres de réseau comme ça? Je dirais plus d'un millier de kilomètres de Bédière. Ah là, juste en aval? Tu peux pas me perdre, de toute façon, il n'y a pas plusieurs bras. Non, non, là, ça va glisser, tu te laisses glisser tout seul, et puis tu vas arriver au moulin, mais tu t'arrêtes avant quand même. Nicolas a revêtu une combinaison isotherme. Muni d'un hydrospeed, une luge spécialement étudiée pour la descente en eau vive, il se jette dans le courant glacé. Gonflé par de nombreux affluents, la rivière où progresse Nicolas charrie des dizaines de mètres cubes d'eau à la seconde. Mais attention, il ne doit absolument pas s'aventurer dans n'importe quel bras, car seule la Bédière principale a été équipée en aval d'un filet de sécurité, juste avant qu'elle ne disparaisse dans un puits sans fond. Oui. Écoute, si on m'avait dit qu'un jour je naviguerais sur des rivières, sur la calotte glaciaire en Groenland, j'aurais eu du mal, crois. Ben, moi, on m'aurait dit que je t'y rencontrerais en train de te baigner, j'aurais eu du mal à le croire aussi. Ceci dit, c'est superbe. Ouais. Tu trouves ton bonheur là? Oh, ouais. J'étais très surpris quand on est arrivé au jour. Moi, je m'attendais à trouver un désert blanc. Et en réalité, d'en haut, on a l'impression que c'est un peu sale, quoi. C'est vrai. En fait, c'est de la vie. C'est des algues microscopiques qui se développent là et qui agglomèrent les petites particules minérales qui sont véhiculées par le vent, tout comme les algues d'ailleurs, hein, qui arrivent par ces grands vents qui amènent ça sur la neige. On voit d'ailleurs par endroits, ça fait des traînées. Et là, ça s'accumule dans ces espèces de failles et ça fait comme de la terre. D'accord. Et au niveau animaux, il y a quelque chose là-dedans? Alors, il y a quelques prédateurs, hein, quelques animaux qui se nourrissent des algues. Il y a des protozoaires, c'est des unicellulaires animaux. Puis, il y a le fameux tardigrade, qui est ce qu'on appelle l'ourson d'eau douce, qui est un petit animal avec quatre paires de pattes qui se balade là-dedans et qui, en fait, se nourrit de toute cette matière organique. Tu me montres ça au microscope? Eh bien, on se retrouve là-bas et puis on va aller regarder au microscope toutes ces petites cochonneries, si on peut dire. Voilà. Ça va. Alors? Ben,
écoute, pêche est bonne. Viens regarder un peu les petites merveilles que nous avons là-dessous. Ah tiens. Ça, ça vient d'où ça? Ça, ça vient d'à côté. C'est la neige rose qui est un petit peu partout. Des algues? Ouais. Là, on n'a que des algues et des cailloux. Les petites choses bleues, c'est les petits cristaux de quartz. Ouais. Qui apparaissent comme ça grâce au système du microscope. Et puis tout le reste, les petits boudins, on peut appeler ça les petites saucisses. C'est une algue qui se colore, enfin qui fabrique un pigment violacé. C'est pour ça qu'elle a cette teinte. Il y a quatre petits boudins. Alors, il y en a un peu plus long. Ouais. Ça s'est grossi combien de fois, ce que je vois là? Alors là, c'est grossi 120 fois à peu près. Ça fait une variété de végétaux assez réduite quand même. Oui, c'est très limité, mais il y a quand même une abondance par contre. Ce qui est pas pensable quand on se balade sur la neige. On a l'impression que c'est vide. Et puis tu grattes un peu, tu t'aperçois qu'il y a énormément d'êtres vivants, en définitive. Quoi d'autre? Alors, les animaux, c'est le fameux ourson d'eau douce qu'on va trouver là. Pourquoi ourson? Désolé, là, mais il faut que j'arrive à remettre la main dessus. Il se promène. Et il est très espiègle. C'est peut-être carapaté, ton trou. Oui, c'est pas impossible. Tiens, le voilà. Le voilà, le grand coquin. Il a une petite tête qui rappelle un petit peu un ours, et puis il a des pattes avec des griffes. Ce qui fait que il y a des gens qui l'ont surnommé l'ours d'eau douce. Et sinon, son nom commun? Alors le nom commun, qui est plutôt scientifique quand même, hein, c'est un tardigrade. Ça veut dire qu'il marche lentement. Et ça, c'est un animal? Alors ça, c'est un animal, voilà, tiens. Là, celui-là, il est en pleine activité. Et ça se situe où dans le règne animal, ça? Ben, c'est très compliqué, parce qu'en fait, c'est un animal qui n'a pas de colonne vertébrale, donc c'est pas dans les vertébrés. Ouais. C'est donc dans les invertébrés. C'est de l'ordre de quoi, du millimètre? Ça fait à peu près 0,2-0,3 millimètres. Et il vit de quoi, lui? Ben, lui, il va bouffer des algues. Ah oui, donc c'est un prédateur. C'est un prédateur, et il va aussi consommer des bactéries. Il est plus évolué qu'il n'y paraît, en fait. Ouais. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui vient de ces algues et de ces animaux quand on tombe dans les températures franchement négatives? Eh bien là, ils se mettent en hibernation. Les tardigrades vont fabriquer une espèce d'antigel qui va leur permettre de ne pas geler à l'intérieur de leurs cellules et de ce fait de résister à la formation des cristaux. Et ça vit combien de temps, un tardigrade? Ben, on n'en sait rien. Ah oui. On ne sait pas, on sait qu'il y en a qui ont été réanimés après 25 ans de conservation dans un herbier avec des mousses, mais on ne sait pas jusqu'à quelle limite ça peut aller. On peut imaginer qu'à partir du moment où ils soient capables de passer plusieurs cycles de congélation, on pourra en trouver dans les couches profondes ou anciennes de l'Inland CS. Voilà, c'est un petit peu le rêve que j'ai formulé, c'est en descendant dans ces espèces de trous, ces puits qu'on appelle les moulins, on puisse retrouver des animaux comme ça qui ont été piégés par l'accumulation de la neige et que, en les remettant dans des bonnes conditions, on les voit redémarrer. Ouais. Ce qui ferait rêver évidemment tout le monde, parce que ce qui serait éventuellement possible pour le tardigrade pourrait être possible pour d'autres organismes. Oui, à l'homme. Ben, c'est vrai qu'à l'œil comme ça peut... T'as vu? Oui. Tu connais déjà? Ah oui, absolument. Oui. Incroyable. Ce qui est vrai, c'est que tu lui en trouves un qui est 200 000 ans. Et c'est notre rêve à tous. Là, on le trouvera. Hein. D'ailleurs, on va aller peut-être le chercher ensemble. Hein, ouais. Et après, on fera de l'application si jamais on s'aperçoit qu'on peut se congeler et se réveiller 200 000 ans après, on réfléchira en ce qui nous concerne. On peut imaginer qu'on comprenne les mécanismes qui permettent la survie et qu'on puisse les appliquer. Bon, on n'en est pas là. C'est quand même encore du rêve. Hein. Ouais. Superbe. Le tardigrade a su apprivoiser la glace pour ne pas vieillir. Existe-t-il des spécimens en sommeil au fond de l'Inland 6? Des hommes ont entrepris de percer le secret de ce grand congélateur naturel en prélevant au fond de l'immense glacier quelques échantillons vieux de centaines de milliers d'années. À bord de cet Hercule C-130 de l'armée américaine, 17 scientifiques et techniciens et une équipe de tournage d'Ushuaïa Nature. Comme chaque année, une poignée de chercheurs regagnent le point central du Groenland à 1000 km des côtes, là où depuis 1989 a été taillée une incroyable galerie laboratoire. Personne n'est venu ici depuis 10 mois. La base a été mise en sommeil forcé pendant tout l'hiver
en raison de la longue nuit polaire et des conditions extrêmes qui règnent à plus de 3000 mètres d'altitude. L'an passé, avant de quitter le camp, les hommes ont balisé d'un drapeau noir l'entrée du laboratoire. 2 mètres de neige sont tombés depuis leur départ. Comme chaque fois, il faut creuser pour trouver la trappe d'accès principale. Les scientifiques sont pressés de dresser un état des lieux. Dans ce tunnel creusé dans la neige compacte, la température est de moins 32 degrés. En leur absence, rien n'a bougé et le matériel de recherche dans cette partie du camp est intact, prêt à l'emploi. Il n'en est pas de même pour le carottier servant à extraire la glace des profondeurs. Principale raison d'être de ce camp, il s'est bloqué l'année dernière à plus de 1000 mètres sous les pieds des scientifiques. Si les chercheurs ont choisi cet endroit du Groenland pour mettre en place ces installations, c'est non seulement parce que la glace y est la plus épaisse, mais aussi parce que ce dôme est le seul endroit où la neige ne subit pas de mouvement horizontal lors de son enfoncement dans la calotte. Sans cela, tous les ans, ils risqueraient fort de retrouver leur base totalement disloquée. Dans la salle où la température est la plus stable, ils retrouvent leur trésor. Une collection de carottes de glace extraites à plus de 1400 mètres dans le cœur de l'Inland 6. Elles contiennent l'histoire du climat de notre planète et celle de son atmosphère. Pendant ce temps, on déneige l'accès au congélateur naturel où ont été entreposés vivres et conserves inutilisés lors de la dernière mission. Le C-130 retourne à sa base. Pour qu'il puisse s'arracher de la neige poudreuse, on a dû lui adjoindre quelques fusées d'appoint. Le camp est international. Jean Jouzel, climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement du CNRS, nous donne les clés de cette cité souterraine taillée dans le cristal. Ici, chacun se réinstalle au mieux dans ses meubles, agrandissant si besoin et son bureau à grands coups de scie. L'objet de toutes les discussions demeure la possibilité de faire repartir le carottier. La tête de forage est coincée au fond du puits par des copeaux de glace. On espère parvenir à le débloquer en injectant un liquide spécial. Le carottier est bloqué à 1400 mètres. Et bon, l'espoir de cette année, c'est donc de récupérer le carottier et de recommencer une saison normale. Pour le moment, il n'y a pas d'indice qui montre que le carottier va se débloquer, mais tout espoir n'est pas perdu. Donc Sigfus reste optimiste. Et... Always. Sigfus reste optimiste. Et... De toute façon, le matériel à étudier ne manque pas. Sur les étagères, des dizaines de carottes de glace attendent d'être découpées en fines lamelles pour passer sous la lentille des microscopes. Dans cette ambiance glaciale et irréelle, les scientifiques s'appliquent chacun dans leur domaine respectif. Go! Ici, on mesure la conductivité électrique de la glace. Cette propriété dépend de la présence d'éléments chimiques. Et en fait, l'enregistrement permet de reconstituer, de voir les éruptions volcaniques et d'en reconstituer le calendrier au cours des 10 000 dernières années. Et c'est donc grâce aux glaces polaires qu'on a le meilleur calendrier des éruptions volcaniques depuis 10 000-20 000 ans. En se formant dans l'atmosphère, les cristaux de neige emprisonnent diverses particules et bulles d'air. Au fil des millénaires, les couches successives de neige se métamorphosent en glace pour former l'Inland 6. On a pu dater dans des carottes de glace ce qui semble être l'explosion volcanique sur l'île de Santorin en 1760 avant Jésus-Christ. Pour l'affirmer, il faudra encore comparer ces analyses chimiques avec celles des prélèvements effectués près du volcan. Le but des chercheurs est de trouver dans la glace le climat de la Terre il y a 120 000 ans.
une période plus chaude que celle que nous vivons aujourd'hui. Les scientifiques espèrent ainsi en déduire notre futur. Une des tâches des personnes qui sont sur le camp, y compris les scientifiques, est de remplir ce bac. L'utilisation de cette eau, c'est pour la toilette, aussi la vaisselle, enfin, y a la vaisselle. Et puis, pour généralement l'ensemble des usages domestiques. Malgré tous les efforts entrepris pour le dégager, le carottier reste coincé au fond du puits. Il sera abandonné. Un autre sera acheminé au camp lors de la prochaine mission. Les chercheurs doivent se contenter, cette année, d'un matériel de forage plus modeste, mais aussi plus mobile. Comme les rainures présentes sur le tronc coupé d'un arbre indiquent son âge, chaque strate de glace témoigne du passé. Et plus le carottage est effectué en profondeur, plus on remonte dans le temps. L'utilisation du microscope nous permet vraiment de mettre en évidence la présence de bulles d'air dans les glaces polaires. Et c'est réellement tout à fait unique, cette propriété des glaces polaires, que de nous permettre de reconstruire, de reconstituer l'atmosphère du passé. Un exemple, c'est que la teneur en gaz carbonique, par exemple, a augmenté de 30% depuis 200 ans, et ceci sous l'action de l'homme. Les microbulles qui s'échappent de ce glaçon contiennent de l'air vieux de 60 000 ans. Les prochains échantillons libéreront un peu de l'atmosphère qui régnait sur la Terre il y a 200 000 ans. Pour percer le secret des glaces, les techniques diffèrent, mais les buts se rejoignent. Certains creusent depuis la surface, d'autres utilisent avec précaution les voies naturelles offertes par le glacier. Nicolas et Jeannot Lamberton utilisent ces dernières et descendent dans une baignière fossile, jouxtant un formidable moulin en activité. Alors, le principe même d'un moulin récent. Alimenté. Là, il est en train de faire son... Il est en train de faire son trou, hein, c'est le cas de le dire. Parce que cette baignière n'existait pas l'année passée, où elle était toute petite. Et c'était tout à fait logique que ça se forme sur cette crevasse. Alors, c'est vraiment le principe d'une machine à laver, hein. Alors si tu descends là-dedans au bout de corps, t'es nettoyé, quoi, t'es décapé, quoi. Celle-là, elle arrive d'où, alors? Elle arrive, c'est presque une baignière qui est perpendiculaire à la baignière principale. Et tu les vois en face, toutes les ramifications qui descendent. Ce qui est marrant, c'est cette petite rivière qui, elle, ignore complètement le cours de celle-là. C'est étrange, c'est vraiment étrange. Incroyable. Que je viens ici, c'est la première fois que je trouve une baignière aussi belle. Le système de creusement, il est parfait. Donc on en revient toujours à l'action de la flotte, c'est que elle a une espèce de constance pour se frayer un passage, et en même temps que sous l'action mécanique, elle trouve sa voie, elle sculpte. Exactement. Les plus beaux décors qu'on puisse trouver sur Terre. Vraiment, ça remonte à peu près de... Quand il y a 30 mètres là, non? 20 mètres? Combien? Là-dessous, il y a plus de 100 mètres. Ça, regarde ça. Ça remonte de 100 mètres en projection. Ah oui, 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 ça arrive, ça peut plus s'engouffrer et ça remonte. C'est beau. Allez, on va continuer.
On va se servir simplement du piolet pour se maintenir contre la paroi, parce que là, on va marcher tout en dévers. Regarde ça, c'est paradis, là, Caroline. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Regarde ça. Ça, c'est magnifique. Alors, je recommande que tu quittes tes gants, quand même, c'est important. Parce que ce que tu vois là, c'est vraiment un livre d'histoire. Mettons que la surface est des glaces de 100 000 ans. Et là, on peut compter les stratifications, les strates. Blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu. Là, peut-être qu'on est à 105 000 ans, 110 000 ans. Il y a peut-être un tardigrade pour notre ami Coutet là-dedans. S'il était piégé là depuis très ancien. Mais on va goûter un petit morceau de glace de 110 000 ans, t'es d'accord ? On va pas s'en priver. Ouais. Bah, voilà. Alors, c'est la glace qui est plutôt de la neige comprimée. Là, tu laisses un morceau de glace. Alors, tu essaies de le faire fondre dans ta main, l'approcher près de l'oreille. Pourquoi l'approcher près de l'oreille ? Bah, parce que l'eau, les bulles d'air qui sont comprimées à l'intérieur de sa glace vont se libérer avec la fonte, avec la chaleur de ta main. C'est ça que j'entends pétiller. Les bulles d'air qui sont comprimées dans cette neige. La tradition groenlandaise, elle est extraordinaire. Eux, ils connaissent la qualité de la glace blanche. C'est un petit peu leur champagne. Lors des traditions très ancestrales, mettez cette glace dans un verre d'alcool, par exemple, ça pétillait, c'était leur champagne. Et pour nous, ben, ma foi, là, on est en train de respirer de l'air d'il y a 110 000 ans ou de boire de l'eau de 110 000 ans. On va continuer. Nicolas et Jeannot Lamberton vont maintenant rejoindre le glaciologue Luc Moreau et son assistant, accrochés aux parois de la galerie de verre, en train de mesurer très précisément la vitesse d'avancement de ce formidable train de glace. D'accord, ok. Ça roule. Ouais, moi je suis prêt, quand tu veux. 10 m67. Ça va, Luc ? Ouais, ça va. Oh, ça fait des belles balades, là. C'est quoi ce que tu fais, là ? Toi, je suis en train de mesurer la température de la glace. Bon, là, on a moins 1 de température. On n'est pas très, très loin de la surface, mais le but, en fait, c'est de calculer la déformation. Et plus la glace est froide, évidemment, plus la déformation est lente. Ici, on a, dans le mouvement de ces glaciers polaires, 80-90% de déformation. Un peu comme si on faisait couler de la confiture sur une planche, eh bien, comme de la lave très visqueuse, la glace va se déformer. C'est une caractéristique de cette matière. D'accord. Et quel est l'intérêt pour vous de comprendre tous ces mécanismes ? Alors, d'une part, pour savoir comment se comporte le glacier, parce qu'en fait, on ne connaît pratiquement rien de ce qui se passe à l'intérieur de ces calottes glaciaires, comment elles fonctionnent, comment l'eau fait pour circuler, pour pénétrer dans le glacier, comment l'eau, par exemple, fait pour rejoindre la mer, fait pour remplir les lacs de fonte. Et au-delà de la compréhension de cette mécanique, est-ce qu'il peut y avoir des applications ? Alors, il y a des applications parce que cette eau peut être utilisée d'un point de vue hydroélectrique. Ouais. Et aussi, c'est très intéressant d'un point de vue des prospectives futures sur l'évolution du climat, sur le réchauffement dont on parle aujourd'hui, par exemple. Et maintenant, c'est vrai que depuis un siècle, le climat se réchauffe tout doucement. On parle toujours avec évidemment beaucoup de prudence, mais il y a de fortes probabilités que les activités humaines et leurs effets en soient responsables. Notamment, une des choses qui pourrait accélérer le réchauffement de la Terre et de l'atmosphère, c'est ce que l'on appelle l'effet de serre, qui est un effet naturel et qui permet la vie sur Terre. L'effet de serre, c'est tout simplement que notre planète reçoit un rayonnement du Soleil et qu'elle réfléchit une partie de ce rayonnement et que cet équilibre permet d'avoir les températures qui sont propices à la vie sur notre planète. Malheureusement, on est en train d'accélérer cet effet de serre, tout simplement parce que dans l'atmosphère, nous avons balancé un certain nombre de gaz qui rendent, je dirais, l'atmosphère un peu plus opaque. Et notamment parmi ces gaz, il y a le gaz carbonique, le CO2, les CFC, le méthane et d'autres. Et puis aussi, tout simplement, l'humidité, la vapeur d'eau. Le gaz principal de l'effet de serre. En fait, bon, il y a eu dans l'histoire des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui. L'homme, en fait, a réchauffé l'atmosphère d'un demi degré depuis un siècle. Bon, c'est peu. Mais en même temps, c'est important parce qu'entre aujourd'hui et la dernière période glaciaire, il y avait entre 5 et 7 degrés de différence. Donc il ne faut pas dramatiser, mais il faut surveiller. Juste en concluant,
ce que la nature normalement commet sur une échelle géologique très longue, nous sommes capables, nous, de provoquer des accélérations de ces effets tellement rapides que l'adaptation de ce qui vit à la surface de la Terre risque d'être problématique. Voilà, il faut faire attention. Je continue mon périple avec Jeannot. Allez, à plus tard. Jules Verne n'aurait sans doute pu rêver plus beau voyage dans ce monde inquiétant, mais féerique. C'est combien là, à peu près, de température là ? C'est 0,05. Ok. On descend d'ailleurs derrière ? Là, on est sur une main courante et là, on va prendre un nouveau rappel. D'accord, ok. Et là, on sera dans une verticale. Bah, tu me dis quand c'est libre derrière. Une dizaine de mètres. Ok, bah, je te suis. Ok. On passe d'un univers à l'autre avec juste quelques mètres de glace au-dessus de la tête, alors qu'on a plus d'un kilomètre de glace sous les pieds. On rentre dans un monde à la fois irréel, onirique, émouvant et terrifiant à la fois. En prudence contre la concrétion, hein. Ok. Là, on est vraiment dans une cathédrale de glace. Là, c'est bon. Tu te rends compte le privilège que tu as là de descendre dans la mémoire de la Terre, là, comme ça, le congélateur de l'humanité. Parce que c'est quand même un des grands spectacles de la Terre. Hein. C'est incroyable parce que c'est même presque plus à l'échelle humaine. C'est un spectacle qui est tellement grandiose qu'on en est plein d'humilité. Quand tu arriveras sur la petite vire là, tu te longeras sur cette corde et tu déferas ton descendeur. Ok. On est engourdi quand c'est comme ça, non ? C'est quand même assez géant. Hein. Et là, tu estimes qu'on est à là, déjà, quelle datation là ? Là, déjà en surface, on est dans des glaces de 100 000 ans. Comment ça se fait que les glaces de surface soient déjà à 100 000 ans ? C'est tout un système de mouvement de la calotte glaciaire. La calotte glaciaire fonctionne un peu comme ça, un peu comme, je dirais, un chaud à la crème qu'on appuie dessus, et les glaces anciennes vont remonter vers la surface, sur les bords. D'accord. Et là, on est sur un bord de l'île Andis. Tu vois toutes les stratifications là, on voit très très bien ici. Là. Là, les bleus et les blancs. Les bleus et les blancs. Le blanc, donc c'est la neige accumulée pendant l'hiver. Et le bleu, c'est la neige fondue pendant l'été. Donc c'est la partie de l'été arctique. Là, il y a une lame du plafond qui est vraiment en suspens. Là. Je pense un coup de redoux, le plafond va s'effondrer. Bon, on va pas rester là-dessous trop longtemps. Trop dangereux. Pendant l'été boréal, le ventre du Groenland est en perpétuel mouvement. Il semble à chaque instant vouloir digérer les êtres minuscules venus ausculter ses entrailles. En 10 ans, les hommes ont exploré quelques-uns des méandres de cet extraordinaire intestin de cristal. Mais ces tenailles éphémères, à la fois fragiles et formidablement puissantes, sont encore bien loin d'avoir livré tous leurs secrets. Crawl. En fait, on aura fait la route des icebergs à rebrousse-poil, puisque nous avons été les chercher au début de leur dérive océanique, remontant le fjord, arrivant là où le glacier les vèle, et puis remonter cette Inland 6 pour arriver à ces glaces datées d'il y a au moins 100 000 ans, qui seront elles-mêmes probablement, si la
soleil ne les a pas fait fondre d'ici là, les icebergs de 100 000 années plus tard, au-delà de l'émotion purement esthétique, et Dieu sait que dans ce domaine, tant ici qu'à Oumanak et qu'à Ilulissat, nous avons été comblés par l'un des plus beaux spectacles de la nature. Nous retiendrons de ce voyage, entre le monumental et l'infiniment petit, plusieurs choses. Mais la principale, c'est que la Terre est un tout, qu'elle est régie par des mécanismes particulièrement sophistiqués, mais aussi très vulnérables. De cela, nous devrions tout simplement en prendre conscience pour peut-être, à l'avenir, avoir une beaucoup plus grande humilité sur notre capacité à détruire, agir, accélérer des phénomènes qui normalement sont soumis à des cycles beaucoup plus longs. Sur cette image, sur ces paroles de prudence, bonsoir et à bientôt.